Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates, séance fessier maison en 10 minutes. Donc prenez votre tapis, un petit peu d'eau et on va démarrer immédiatement. Allez, on démarre au bout de notre tapis. Donc on va tendre les bras aujourd'hui et on va venir chercher vers l'avant, comme si on relâchait le buste sur les cuisses. On creuse le ventre, on courbe le dos, on pense à avoir les épaules basses, le ventre rentré. On inspire et en soufflant, on remonte grâce au ventre parce qu'on creuse le ventre. On va chercher vers l'avant doucement et on repart. On creuse le ventre, on courbe le dos, on baisse les épaules. On imagine qu'on est tiré par un fil jusqu'au sommet du crâne. Ça veut dire qu'on cherche la longueur dans le dos, jusque dans la nuque, jusque dans la tête. Et on va chercher devant sans pour autant tirer sur les épaules. On peut descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Vous voyez, je me rapproche du tapis. J'imagine que quelqu'un me tire par les mains. Et en fait, grâce à mon ventre, grâce à mes abdominaux. Donc on a tous des abdominaux. Hein. Il suffit de bien creuser le ventre, de bien les engager. Et on repart. Là, par exemple, je vais aller jusqu'à m'allonger. Vous n'êtes pas obligé de vous allonger. On fait vraiment comme on peut, comme on veut, comme on le sent. Et on souffle. On va chercher devant. Donc si s'allonger pour remonter, ça demande trop d'efforts, qu'on n'arrive pas, qu'on a les pieds qui se décollent quand on part en arrière, qu'on est obligé de forcer sur les épaules et la nuque pour remonter, ben on ne s'allonge pas. On s'arrête à mi-chemin, comme nos premières répétitions. Voilà, vous adaptez, vous ajustez. On souffle, on va chercher devant, on inspire, on souffle, épaules basses, on gaine le dos, on creuse le ventre en permanence. Allez, on en fait un dernier, on souffle pour remonter. On inspire et on souffle, on descend doucement. L'idée, c'est toujours de descendre une vertèbre après l'autre. On va s'allonger sur le tapis, bras le long du corps, on plie les jambes, je me ravance, je me recentre un petit peu. Allez, donc on creuse le ventre, on plaque les lombaires dans le tapis, on soulève les fesses, les lombaires, le dos. On inspire en haut, on serre nos fessiers et on expire, on déroule progressivement. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Petite bascule du bassin, on chauffe un petit peu au niveau du bassin. Ici, on inspire et on souffle, on déroule. Engagez les cuisses, les jambes, les fessiers, le haut du dos. On stabilise bien et on plaque. On monte, on monte, on monte. Ok, super. Quand je suis en haut maintenant, je vais venir placer une jambe. Je monte un genou, je repose le pied, je monte l'autre genou. Je repose le pied et je déroule mon dos. Encore. L'idée, c'est de garder le bassin stable. Donc, on serre bien le fessier de la jambe d'appui. Hop. Et on repose. On déroule. Le suivant, on regardera les fesses en haut. Donc, on ne redéroulera plus le dos sur le tapis. On cède en plaquant les bras. Et en serrant très fort le fessier de la jambe d'appui, je garde mon bassin stable, je ne pars pas de travers à chaque fois que je monte la jambe. Je creuse le ventre, je serre le fessier de la jambe d'appui, je creuse mon ventre. Je fais attention à reposer mes pieds, au moins largeur des hanches, pas collé, garder le bassin tourné vers le plafond. On cède en plaquant les bras, en gainant le dos, on allonge le dos. On allonge la nuque, on garde le ventre rentré, on reste en haut. Et ici, on va faire des petites pulsations en serrant les fessiers. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, creusez le ventre. 5, serrez les fessiers à fond. 4, gainez le dos. 3, 2, 1, je déroule mon dos, une vertèbre après l'autre. J'y retourne, je monte. Je monte, je monte, je monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, serrez très fort et 1. Ici, on ne repose pas, on ajoute quelque chose. On va écarter les genoux un petit peu et on les rapproche. En fait, on se met sur la tranche externe des pieds. On essaye de garder la hauteur du bassin et on referme genou largeur des hanches. 2. 3,
4, creusez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On déroule le dos, une vertèbre après l'autre et on est reparti. 10 pulsations. 10, 9, serrez très fort. 8, 7, 6, on pense aux fessiers qui travaillent. 5, 4, on creuse le ventre. 3, 2, 1 et on écarte. 1, 2, tranche externe des pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On déroule le dos, une vertèbre après l'autre. Et la dernière série, on va refaire les 10 pulsations, les 10 écartés. Et un troisième petit exercice, on est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on essaye de garder le bassin en haut, 3, rentrez le ventre, serrez les fessiers, 2 et 1 et là, je tends ma jambe gauche, pied pointe et 10 pulsations avec le fessier droit, le fessier de la jambe d'appui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie le genou, je pose mon pied. Jambe droite tendue, pied pointe. Et 10, 9, serrez bien le fessier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On plie le genou, on pose le pied, on resserre les fessiers, on déroule le dos. Et parfait, c'est bien. Allez, genou poitrine, tirez les genoux vers vous. On les tire vers soi, ça permet d'étirer, de masser le bas du dos. Allez, on masse. Allez, on va se tourner sur le côté. Donc on se tourne de côté ici, on peut poser la tête dans la main ou bien sur le bras comme vous préférez. La jambe devant, vous voyez, je la mets en angle le long de mon tapis. Je tends la jambe du dessus, pied pointe et je suis partie pour deux petits battements. 1, serrez bien le fessier de la jambe d'appui, creusez le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40. On a le genou du haut qui atterrit sur le genou du bas. La jambe comme ça est tournée. Et je tends pied pointe et je serre bien le fessier de la jambe que je tends. 1, 2, 3, on ne tend pas un coup sec. 4, on accompagne, on gaine. 5, pour protéger l'articulation du genou. 6, on aligne la jambe. 7, avec le buste. 8, creusez le ventre. 9 et 10. Et plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et à 1, on va faire 20 micro-pulsations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, parfait. Allez, on masse un petit peu et on va passer de face. Donc, on se redresse ici. À l'autre côté après, vous en faites pas. Donc on se place à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, dos en neutre, donc courbure normale, je vais m'avancer un tout petit peu. Voilà. Allez, donc on va se mettre en appui sur le bras gauche, on garde le bras droit tendu, on étire la jambe droite derrière soi. Alors on fait ça pour être confortable, donc essayez d'avoir le buste vraiment
tourner dans ce sens-là, un petit peu en biais. Et ici, pareil, battement. 1, serrez bien le fessier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Je ramène le genou vers mon coude. Vous voyez, je ne ferme pas la jambe, je la mets ici. 1, 2, serrez bien le fessier, la jambe que vous tendez. 3, et le fessier de la jambe d'appui. 4, 5, 6, on engage le centre. 7, 8, 9 et 10. Et plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, on remonte sur le bras, on plie la jambe et on finit ici en poussant le talon vers le ciel. Creusez bien le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Gardez vraiment le buste tourné vers le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Parfait. On repose. On étire un instant. Parfait, on se redresse. Alors, vous pouvez rester dans votre sens. Moi, je me tourne pour la vidéo. Donc, je me place ici. Je me place sur mon avant-bras droit. Mon bras gauche est tendu. Ma jambe gauche est tendue. Je la lève et je suis partie pour les petits battements. Serrant bien le fessier de la jambe qui fait le mouvement et celui de la jambe d'appui. On va dire qu'on en est à 5. 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40. J'ai le genou qui vient vers mon coude pour 1, 2, 3, stabilisez le buste, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et plus que 10, 9, 8, 7, stabilisez le dos, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, je me redresse sur l'autre bras, je plie la jambe, pied flex, je pousse mon talon vers le ciel et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Allez, on relâche, fesses sur les talons, on étire un instant. On étire le dos. On se redresse et on va pouvoir venir s'allonger de l'autre côté. Donc pareil, tête dans la main ou posée sur le bras, c'est mieux. Jambes du bas en appui, voyez, le long du tapis. Main sur la taille pour bien me stabiliser. Je rentre mon ventre, je lève la jambe et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Serrez vraiment à fond le fessier. Ici, on creuse bien le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 40. Et le genou du haut vient toucher le genou du bas. Et j'allonge, mais en gainant la jambe pour ne pas me faire mal au genou à force. 2. Je vais chercher loin, je m'aligne avec le buste. 3, 4, 5, 6, c'est bien. 7, et on ne s'écroule pas devant, hein, main sur la taille. 8, 9 et 10, et plus que 10, 9, c'est bien. 8, c'est presque fini. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous rappelez, on a les 20 micro-pulsations. Creusez le ventre, gainez, serrez bien le fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Parfait. Petit massage si besoin. Allez, super. On arrive au bout. On va juste tourner sur le dos. On tire un petit peu les genoux vers nous. Allez. Petite impulsion. Et on va pouvoir poser ici la cheville droite sur le genou gauche. Vous voyez, je mets mes mains vers l'arrière. Et doucement, je peux ramener mon genou vers moi. Allez, pour que ça étire mon fessier droit. Ok. Pareil avec l'autre jambe. Donc, je place ma cheville gauche sur mon genou droit. Et pareil. Je peux doucement pousser mon genou vers moi. Si je peux, je décolle mon pied. Sinon, je le laisse au sol. Ok, super. Je pose une main à côté de moi, je vais chercher sur le côté. Regardez votre main, ça permet de faire bouger la nuque, un côté et l'autre. Et encore. Allez, ensuite, je joins les mains, je croise les doigts. Je m'étire, je penche d'un côté et de l'autre. Ça doit être agréable pour vous. Ok, super, on relâche. On détend un petit peu nos épaules. Et parfait. Voilà, si cette séance vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et moi, je vous dis à la prochaine séance. Salut.